Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous présenter un mot tout simplement, coupe-gorge, qui est un mot composé, donc avec un trait d'union au milieu. J'essaye de lancer en fait un petit concept de lecture de dictionnaire, puisque j'ai récupéré un dictionnaire, enfin une encyclopédie de 19 tomes si je ne me trompe pas. Enfin, je crois que c'est 18 plus un supplément. Ça me sert pas à grand chose, mais je me dis ça pourrait être sympa de lire quelques mots par-ci par-là. Donc, du coup, je vais essayer avec un premier. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Moi, je vais le faire dans mon coin de toute façon. Et puis, si vous avez des mots éventuellement à proposer, je ne sais pas. Enfin, bref, on peut tester ce qu'on veut. Et d'ailleurs, en lisant la description de. Enfin, en tout cas, la signification de ce mot-là, j'ai trouvé le mot tripot, je sais pas ce que ça veut dire, donc du coup, je le chercherai plus tard. Ça permettrait de faire une deuxième vidéo, pourquoi pas. Donc là, on va tester déjà ce mot-là. Si le sujet vous plaît, vous me dites. Sinon, vous me dites également, puis on fera plutôt du gaming. Enfin, voilà, j'essaie de faire d'autres choses sinon. Donc, ce mot coupe-gorge, qui est donc un nom masculin, invariable, peut signifier trois choses. Donc la première, lieu écarté, endroit suspect où l'on court le risque d'être assassiné, cette ruelle est un véritable coupe-gorge. Deuxièmement, il peut signifier tripot, où on dépouille les joueurs naïfs, donc naïfs, idiots, enfin, neuneux. Ou troisièmement, en littérature, situation semée d'embûches, milieu où il se commet ordinairement quelques injustices criantes, quelques escroqueries, la vie politique est un coupe-gorge. Voilà, donc petit exemple. Je vais chercher le mot tripot, alors ça doit être dans un autre bouquin, parce que là je suis aux lettres de Christiana à Danse. Je vais chercher tripot très bientôt. Je vais essayer de chercher dans là, voir qu'est-ce qu'il dit dessus. S'il parle de tectonique, je pense que je vais le brûler, mais je vais voir ça. Littérature, c'est cool, mon petit. Alors, dans ce. Ah, mais il y en a plusieurs. Alors, oh là là, il y en a tellement. Je pourrais faire une vidéo d'une heure avec ça. Alors, danse, groupe sculpté en pierre exécuté par Carpo pour la façade de l'Opéra de Paris. D'accord, la danse, très bien. Il y a tellement de choses à découvrir que du coup, voilà, si ça vous intéresse, vous me dites. Et puis sinon, on retournera à faire des conneries, là, de choses débiles comme je fais d'habitude. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puisque là, moi, il est 17h. Le temps que je compresse la vidéo et que je l'upload, je pense qu'il sera 17h30. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.